Donc on va commencer cette table ronde. Donc le sujet, donc c'est les nouveaux programmes en sciences et le plan licence. Donc je suis Sophie Jéquier, Université Bordeaux 1, et je suis chargée de la mise en place de la banque de thèses de positionnement à Uniciel. Alors juste un petit rappel, l'an dernier, pour ceux qui étaient avec nous lors des journées, nous avons parlé des thèses de positionnement et de l'établissement de cette banque de thèses. Et la première chose à laquelle nous nous sommes confrontés, bon, il y a eu le choix technique, hein, on s'était quand même un peu centré sur ça l'an dernier, puisqu'on a fait une présentation de la plateforme C2I, savoir si elle pouvait être adaptée dans notre cas. Et on s'est dit qu'elle posait certains problèmes, qui étaient notamment des problèmes d'ordre technique sur les formules scientifiques et sur les images qu'un grand nombre d'entre nous souhaitaient intégrer dans les questions. Donc on a travaillé derrière un petit peu et il était apparu que l'élément principal dont nous avions besoin était un référentiel. Alors chaque établissement du supérieur étant en droit de décliner ces semestres selon sa politique propre, on n'a pas de référentiel connu à l'entrée de l'université, si ce n'est le référentiel des bacheliers, le référentiel du baccalauréat. Donc on s'est dit, ok, on va partir sur ce référentiel-là. Et là, on s'est trouvé confronté à la réforme en cours des programmes du lycée. Donc pour ne pas faire le travail deux fois, et pour une fois ne pas être à la traîne en tant qu'universitaire, on s'est dit on va anticiper et on va prendre les programmes qui rentreront en vigueur pour la terminale à la rentrée prochaine et qui amèneront à nos portes d'université les bacheliers en septembre 2013. Voilà, donc on a mené cette première réflexion et on s'est dit il faut qu'on connaisse les programmes, mais il faut aussi qu'on connaisse la typologie. Est-ce que la manière d'enseigner va varier? Est-ce que les volumes dévolus aux sciences vont être les mêmes? Alors, on s'est centré essentiellement sur la série S, puisque la plupart des bacheliers qui rentrent dans nos universités sont issus de la série S, les autres séries donnant lieu généralement à des remises à niveau dédiées. Donc on s'est centré sur ça, mais on a mené une réflexion plus globale sur tous les programmes, sur les programmes, je dirais, scientifiques des différentes filières. Et en discutant, on s'est aperçu qu'on n'avait pas tous le même ressenti sur ce référentiel. Alors, les personnes les plus à même de valider notre référentiel, c'était les enseignants du secondaire qui, eux, mettent en œuvre et connaissent bien ces programmes. Donc, on a sollicité un certain nombre d'enseignants pour nous donner leur avis, pour valider nos programmes, parce que se pose aussi le problème du vocabulaire. Le vocabulaire qui est utilisé dans le secondaire n'est pas obligatoirement le vocabulaire que nous, universitaires, nous utilisons. Donc ça pose parfois aussi des problèmes de transition non négligeables. Voilà, donc on a travaillé sur ça. Et on a réalisé des interviews. Alors on a demandé d'abord à Philippe Jean Jacquot, qui est présent, donc on ne montrera pas son interview. Et on a demandé à Dominique Rojat, donc, qui est le doyen des IGN, en SVT, de nous expliquer la partie des nouveaux programmes. Alors, avant de passer la parole à nos intervenants, on va vous montrer la question 1 qu'on a soumise à Dominique Rojat, parce que je pense que ça va ouvrir le débat, et qui était: quels sont les axes qui ont mené à la création du nouveau programme? Et je pense que certains d'entre vous vont être surpris d'entendre ce qui va être dit. Alors, les axes de création sont des axes de plusieurs ordres. Je vais peut-être essayer de me limiter à ceux qui concernent un peu plus spécialement le lien avec l'enseignement supérieur, puisque l'une des préoccupations fortes, c'est justement d'essayer de favoriser la continuité entre le lycée et l'enseignement supérieur. Alors, c'est plus facile, naturellement, à dire qu'à faire, mais l'idée, c'est d'essayer de préparer les élèves de manière qu'ils soient moins soumis à ce défaut
souvent présentée par les collègues universitaires, qui est de dire, finalement, ils ont étudié beaucoup de choses dans le détail, mais il n'en reste pas forcément les idées les plus essentielles. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, notre préoccupation la plus forte, effectivement, c'est d'essayer de stabiliser davantage les idées clés, les grandes idées, sur lesquelles ensuite on pourrait construire des formations universitaires. Donc c'est vraiment la préoccupation de fond. Alors maintenant, il y a d'autres préoccupations un petit peu plus générales. Par exemple, pour se centrer sur la question de la biologie et de la géologie, on a voulu un programme... Je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, donc, l'idée de la réforme du lycée, c'était préparer les élèves à suivre des formations universitaires. Donc c'est le premier point qu'on va aborder avec nos intervenants, c'est-à-dire comment eux, dans leur discipline, les axes ont été définis, hein, puisque là on a parlé, l'intervenant Dominique Roja, donc parlé de manière générique, hein, sachant que dans le groupe de travail dont il a fait partie, il y avait des universitaires. Et dans la plupart des groupes de travail, autant que je sache, il y a toujours eu des universitaires qui étaient associés dans la réflexion. Donc je vous propose que chacun de nos intervenants donc du secondaire, mais qui connaissent aussi bien le supérieur, nous présente les nouveaux programmes, ou les axes approchés dans les nouveaux programmes. Je vais laisser la parole pour les mathématiques à Hélène Lample. Oui, très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Je vais parler peut-être en resituant d'abord ce programme du lycée dans le cadre de la réforme du lycée, justement, qui intervient sur seconde, première et terminale. Et donc, en ce qui concerne les mathématiques, il y a eu des conséquences directes de cette réforme, mise en place de la réforme du lycée dans l'élaboration de ces programmes de mathématiques du cycle terminal, hein, en première et en terminale. La première modification, c'est les horaires, le volume horaire de l'enseignement des mathématiques en première S, dans le cadre de la réforme, est maintenant de 4 heures hebdomadaires. Il y en avait 6 dans le cursus actuel au niveau du lycée. Il y a 6 heures en terminale, donc on gagne une demi-heure sur l'année de terminale. Et donc ce programme a été établi dans cet esprit-là, en tenant compte de ces contraintes horaires. Au niveau de la première, il y avait aussi un élément de cahier des charges qui est intervenu dans l'élaboration du programme, à savoir, vous devez le savoir, que dans ce cadre de la nouvelle réforme, il y a possibilité en cours de première d'une réorientation de passage entre la série ES ou la série S. Donc il y avait une demande du ministre dans l'élaboration des programmes pour que ce passage soit possible, en tout cas avec des aménagements assez soft en cours d'année entre première S et première ESL. Je voudrais dire aussi que le programme de la première littéraire est maintenant dans le cadre d'une option uniquement et se trouve exactement identique à celui de la série ES. Donc ça, c'est pour le cadre général de cette élaboration des programmes. Donc sur le lycée d'enseignement général en maths, il y a maintenant une série S et une série ESL. Les littéraires ne sont concernés que dans le cadre d'une option. Hein, d'accord ? Donc ça fait le même programme. Du coup, une élaboration un petit peu pas compliquée, mais en tout cas, qui devait prendre en compte ces contraintes-là ? Alors, en ce qui concerne les mathématiques, je vais parler peut-être du cycle terminal, donc première et terminale. Il me semble que les caractéristiques principales sont, d'une part, l'importance accrue des probabilités statistiques. Si on parcourt les programmes, on le voit tout de suite, puisque la loi normale fait son apparition au niveau de la terminale S, de même que une problématique d'estimation. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à une estimation intervalle de confiance avec niveau de confiance sur l'année de terminale S. Donc une part bien plus importante réservée aux probabilités statistiques. La loi binomiale, par exemple, qui actuellement est enseignée en terminale, sera dorénavant enseignée en première.
Mais c'est le résultat d'une histoire des probabilités statistiques sur le cursus scolaire des élèves, puisque actuellement, les premières notions de probabilité sont enseignées en troisième. Donc il y a eu un décalage, si vous voulez, de cet enseignement, surtout le cycle scolaire des élèves. Donc ça, c'est un point fort du nouveau programme en mathématiques sur le lycée, cette importance accrue réservée aux probabilités, aux statistiques. Ensuite, et ça c'est une nouveauté aussi, ces programmes se sont déclinés avec deux axes transversaux auxquels l'inspection générale accorde une importance assez grande, à savoir d'une part l'algorithmique et d'autre part le raisonnement mathématique, c'est-à-dire à la fois les notations, les types de raisonnement, une argumentation précise. Ces deux thèmes sont transversaux, ce qui veut dire qu'ils ne débouchent pas sur des items précis dans le programme, mais doivent être travaillés au cours de toutes les années du lycée. Nous nous attendons d'ailleurs à voir apparaître une question algorithmique dès le bac 2011, dès les sujets du bac 2011, parce que les élèves actuellement en terminale travaillent déjà sur ces questions algorithmiques depuis la seconde. Hein, et donc ça se trouvera conforté dans les nouveaux programmes qui entrent en vigueur l'année prochaine, enfin en septembre 2012 en terminale. Donc ça, ce sont des points qui sont vraiment novateurs sur le programme. Alors évidemment, développer les probabilités statistiques, ça s'est forcément fait avec des choix à effectuer dans d'autres champs du programme de mathématiques. Donc en première S, par exemple, il y a un petit peu moins de géométrie qu'avant. En seconde, la géométrie vectorielle est essentiellement une géométrie repérée. En première S, il y a de la géométrie vectorielle avec le produit scalaire quand même qui intervient en première S, qui est resté, pas les barycentres. Les barycentres disparaissent du programme. Et en terminale S, on revient à la géométrie dans l'espace, avec aussi de la géométrie repérée, le produit scalaire dans l'espace. Les barycentres n'y sont plus, hein, ne figureront plus au programme. Les nombres complexes ont été maintenus en terminale S, mais avec leur aspect algébrique et puis trigonométrique, on va jusqu'à la forme trigonométrique d'un nombre complexe, donc on définira bien module et argument, mais les transformations géométriques, l'écriture complexe des transformations disparaît des programmes du lycée. L'étude des similitudes aussi dans le cadre de la spécialité, actuellement on étudie les similitudes dans le cadre de la spécialité, ça disparaît. Ensuite, en analyse, le positionnement qui a été pris est le suivant sur tout ce qui concerne les problématiques des limites de fonction, limites de suite. Elles sont à peine initiées en première et donc travaillées essentiellement sur la terminale. Les limites de suite sont travaillées de façon approfondie, pas les limites de fonction, en particulier la limite de fonction en un point. Donc ça sera effectivement quelque chose à prendre en compte dans le cadre de la liaison lycée-université. On ne va pas aborder là tout de suite la partie d'impact sur nos programmes de premier semestre à l'université, mais on va y revenir après, parce que vous voyez que déjà, on a abordé quelques points qui, je pense, doivent parler à certains d'entre nous pour le premier semestre. Je propose de passer la parole à Philippe Jean-Jacques pour la partie physique-chimie. Donc même micro, c'est fantastique. Même exercice, modification. Donc, je vais revenir sur donc Philippe Jean-Jacques. Je suis en lycée dans la banlieue de Lyon, à Décines, et donc je vais revenir sur la réforme des lycées, mais aussi je voulais parler, globalement, pas que pour ma discipline, je pense que vous allez avoir des jeunes qui vont être complètement, qui ont reçu un enseignement complètement différent. Effectivement, on a moins d'heures pour nos disciplines. Nous, en première aussi, on a moins d'heures. On n'a plus qu'une heure et demie de cours et une heure et demie de TP. Par contre, en seconde et en terminale, on garde le même taux horaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en plus de leur enseignement disciplinaire, les élèves reçoivent aussi un enseignement d'accompagnement personnalisé. Ils ne sont pas tout seuls avec un prof. Qui est donné par exemple des profs de mathématiques, des profs de physique, chimie, etc. Donc, je peux vous donner mon exemple en première. Donc, on a trois classes de première, sur trois classes de première, on a plus que trois.
Sur une heure d'enseignement personnalisé, ils ont 4 professeurs différents, donc ils peuvent aller soit faire du français, soit faire de la physique-chimie, soit des mathématiques, soit de la SVT. Donc, alors, soit ils le font en soutien, soit en approfondissement. Globalement, jusqu'à présent, les élèves ont essentiellement fait du soutien parce que le programme est quand même assez... il y a beaucoup de contenu et bon, ils ont un peu des difficultés à tout appréhender. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le programme a changé. Globalement, il y a quand même les mêmes parties du programme qui reviennent, mais la présentation est différente. Déjà, pour la physique-chimie, il y a une sorte de décloisonnement entre la physique et la chimie. On ne fait plus des cours de physique et des cours de chimie. Mais je vois, par exemple, lundi, j'ai fait un TP de physique-chimie sur l'électrisation. Et après, on est parti sur la dissolution des solides ioniques. Donc, on a fait un mélange. Donc, c'est-à-dire qu'au début, les élèves ont manipulé en physique. Puis après, ils ont mis leur blouse et ils ont fait de la chimie. Voilà. Donc, ça arrive souvent maintenant. Donc, ce décloisonnement. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que les élèves... dès le collège, au collège, il y a ce qu'on appelle le socle commun des compétences, qui est quelque chose qui est plus ou moins européen. Alors, on n'a pas pris tout à fait les mêmes compétences qu'en Europe. Et il y en a une, c'est la dernière, c'est l'autonomie et l'esprit initiatif, je crois. Et ça, il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que les jeunes que vous allez avoir auront peut-être moins de connaissances disciplinaires, elles seront peut-être différentes, mais normalement, ils doivent être plus autonomes. Voilà. Donc vous pouvez, je pense ce qui n'est pas un mal, quoi. Voilà ce que je voulais dire en général. On va peut-être avoir du mal à s'adapter à l'université, mais on y reviendra aussi. Ouais. Si on peut avoir peut-être on va peut-être finir avec Philippe sur, est-ce qu'il y a des modifications sur le contenu? Sur le contenu, oui, alors déjà, donc en première et en terminale, on travaille par thème, c'est-à-dire qu'on a un thème qui s'appelle « Observer ». Par exemple, en première, c'est essentiellement basé sur l'optique. Après, c'est comprendre. Donc, on va par exemple, alors qu'en terminale, les années précédentes, on passait quasiment un mois sur la physique nucléaire. Et on passe un chapitre, c'est-à-dire une semaine en première, terminé. Après, on n'en fait plus. Donc, c'est un peu tout comme ça. La dernière partie, c'est agir. Donc, agir, par exemple, c'est tout ce qui est sur l'énergie, etc. Donc, on revient plus sur l'énergie. Alors un grand manque, quelque chose qui a complètement disparu en enseignement de terminale, c'est tout ce qui est électrocinétique, donc les condensateurs, bobines, etc. Il n'y a plus rien. Bon, il y a d'autres choses, la mécanique est peut-être vue de façon plus approfondie, les ondes aussi, on a une plus grande partie sur les ondes qui sont beaucoup plus développées, et l'approche n'est plus du tout, on va dire, on ne va pas faire les ondes, mais on va partir sur un phénomène quotidien, un phénomène que les jeunes connaissent, pour parler des phénomènes physiques ou chimiques qui sont derrière. Voilà. Donc l'approche est un peu différente. Est-ce que c'est bon? Oui, oui. Je vais juste faire une remarque. Faire plus de mécanique sans avoir fait les barycentres et les vecteurs, on va peut-être avoir du mal, mais bon, c'est une remarque de l'enseignante physique que je suis. Oui. Actuellement, ils étaient enseignés en maths et peu utilisés en physique. Non, c'est juste une petite boutade, on va dire. je vais passer. Mais les élèves sont autonomes. Donc, les élèves sont autonomes. Enfin, plus. On va passer la parole pour la partie SVT. Gilles, est-ce que tu veux bien... Oui, bonjour. Donc, Gilles Camus, moi, je m'occupe d'un site de formation continue des enseignants dans le domaine des sciences de la vie. Je travaille au service biomédia de l'UPMC. Je suis désolé, moi aussi, j'ai un peu de... de la même façon que mes collègues en SVT, c'est marqué tout d'abord par une réduction des horaires. Alors nous, on a une réduction des horaires en seconde et en première. Alors en seconde, on passe de 2 heures à 1 heure et demie par semaine. Et en première est, de 4 à 3 heures. Ce qui est marquant aussi dans les horaires de SVT, c'est la part prépondérante des TP en demi-groupe. C'est-à-dire que par exemple, en seconde, il n'y a plus que ça. Il y a 1 heure et demie de TP en demi-groupe. Il n'y a plus d'heures en classe entière qu'il y avait dans l'ancien programme. En première S, par exemple, il y a 2 heures de TP en demi-groupe et 1 heure en classe entière. Donc c'est quand même un programme qui est marqué assez fortement par, la pratique. Et effectivement, je vais reprendre donc très rapidement pour ne pas perdre de temps un peu ce que vient de dire mon collègue Philippe Jean-Jacques en physique. C'est vrai que l'accent n'est pas mis sur les connaissances, mais plus sur... les pratiques, les,
l'autonomie, il est dit en toutes lettres que on préfère axer sur le qualitatif que sur le quantitatif. On ne fait peut-être pas beaucoup d'exemples, par contre on essaye de le faire bien, en peu de temps en plus. Donc effectivement il y a eu des allègements, vous imaginez bien qu'il y a moins de connaissances directement fournies, même s'il y a toujours encore plus de connaissances exigibles. Et avec cette réduction d'horaire, effectivement, moins de connaissances clairement, avec un accent assez important sur donc l'acquisition des compétences et l'autonomie. Oui. Donc ça risque effectivement de modifier un petit peu le profil des étudiants qui arriveront en L1. La seule classe qui n'est pas impactée par les changements d'horaire, c'est la terminale S, où là, on sent qu'il y a quand même une volonté d'essayer de garder la filière. On se reconcentre un peu plus d'ailleurs sur les connaissances. C'est la seule classe où il y a plus d'heures en classe entière qu'en TP, où là on voit une volonté d'essayer de préparer quand même les élèves vers des études supérieures. Alors maintenant au niveau du contenu, je dirais que la philosophie générale des programmes, alors là de toutes les classes du lycée, c'est plus une démarche de donner des connaissances scientifiques citoyennes. Donc, très axé développement durable, capacité à un peu, disons, à se faire sa propre idée ou réagir face aux grandes questions qui impliquent les sciences de la vie, elles sont nombreuses. Alors, organisé autour de trois thématiques qui sont déclinées sur les trois années, donc qui sont la Terre, la vie et le vivant. Qui sont ce qu'ils appellent les enjeux planétaires contemporains. Ben, je dirais que cela, c'est tous les problèmes de société. Et puis, corps humain et santé. Donc, là-dedans, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des... L'ancien programme était très centré autour de la notion d'évolution. Cette approche est un peu plus légère. Bon, il y a un peu d'évolution. Par exemple, la lignée humaine est nettement moins... Elle est toujours un petit peu enseignée, elle est très allégée. Par contre, ce qui apparaît maintenant, c'est beaucoup plus axé sur donc, ce que je vous disais, développement durable, avec par exemple les sols, où on a une introduction sur tout ce qui est sol, agro-système. Donc toujours axé sur la problématique nourrir l'humanité. Il y a toujours une approche avec une problématique tout à fait concrète derrière. Et puis avec des apports, par exemple, des liens qui sont affichés, demandés, avec l'histoire des sciences. Alors non pas pour faire un apprentissage de l'histoire, mais pour montrer comment on fabrique, comment la connaissance s'est fabriquée avec ses essais, ses erreurs. Et même des liens qui sont affichés dans plusieurs domaines avec l'art, en particulier au niveau visuel. Donc dès qu'on aborde la voie visuelle, on essaie de faire des connexions avec l'art, en particulier graphique. Donc ça vous donne un peu la philosophie quand même de ce programme. Je vais réagir à chaud avant de donner un petit peu la parole à la salle. Tu viens de parler des grands thèmes. Donc on note quand même une modification du vocabulaire un petit peu par rapport à ce qu'il y avait avant. Est-ce qu'il ne risque pas aussi d'avoir un impact sur les étudiants en termes de structuration des connaissances, puisqu'il y a moins de connaissances de contenu donné en tant que tel? Alors, plus d'autonomie, j'ai bien entendu, mais est-ce que le vocabulaire aussi ne va pas être impacté par cela? Alors, il faut savoir que déjà, le vocabulaire n'était pas forcément mis en avant, déjà même dans les anciens programmes. Il y avait une volonté de ne pas, effrayer les élèves par des mots compliqués. C'est sûr que des deutérostomiens, c'est des mots qu'on évitait soigneusement. Un exemple. Oui, ça risque de s'alléger un petit peu. Donc là, il y aura probablement, une nécessité de bien expliciter un certain nombre de mots qui peuvent sembler de base et qui ne seront pas forcément acquis par les étudiants à leur arrivée. Même si éventuellement, ils connaissent les notions derrière. Oui, donc on va quand même avoir une modification de leur carte de connaissances, on va dire. Un petit peu. Après, c'est pas non plus... On n'expurge pas complètement le programme de tous ces termes techniques. Il ne faut pas aller trop loin.
D'accord. On a parlé de l'autonomie des élèves. Je vais repasser la parole à Hélène Lampe qui voulait faire un complément sur l'autonomie. Oui, là, c'est tout à fait indépendant de nos disciplines respectives, mais dans le cadre de cette réforme du lycée, effectivement, l'autonomie des établissements scolaires donc, a été très largement développée, ce qui veut dire que chaque établissement dispose, pour chacun des niveaux du lycée, d'un volant d'heures à effectif réduit. Donc, on a évoqué l'accompagnement personnalisé tout à l'heure, c'est un autre de ces aspects, et il relève de la responsabilité de chaque établissement de répartir ces heures à effectif réduit sur les disciplines. Ce qui veut dire qu'on aura très certainement disparité plus grande sur le savoir des élèves suivant les établissements. Puisque pour certains d'entre eux, on peut privilégier par exemple d'unifier des classes de seconde avec un effectif réduit, mais du coup d'offrir à chacun des élèves le seuil minimum horaire dans chacune des disciplines. Dans d'autres établissements, on peut décider de mettre le poids sur un enseignement scientifique et donc donner une coloration plus approfondie au savoir des mathématiques, des élèves pardon, dans les disciplines scientifiques. Donc ça aura des répercussions du coup pour les élèves que vous, les étudiants que vous allez accueillir, parce qu'on n'est pas assuré que tous aient eu le même niveau d'approfondissement. Donc on est en train de dire qu'on va avoir des étudiants plus autonomes, oui, avec une structuration différente, venant d'établissements et qui ne vont pas avoir obligatoirement les mêmes niveaux suite aux politiques des établissements. Donc je crois que dans l'interview de Dominique Rougeat, je vous invite à regarder sur le site qui est découpé en trois parties. Il était dit qu'il pensait qu'il y aura les établissements du supérieur, donc nous, universitaires et nos enseignants, n'aurions pas à s'adapter. Dans ce qu'on entend, je ne suis pas sûre qu'on n'aura pas à s'adapter. Je vous propose de vous passer la parole. Est-ce que vous avez des questions sur les nouveaux programmes? Marie, est-ce que tu pourrais éventuellement mettre les cartes? Ou tu peux. Y a-t-il des questions? Il y a d'abord une remarque, c'est la même que Sophie. En tant que physicienne, je crains un peu le pire s'il y a des notions de base de mathématiques qu'on n'a pas pour faire la physique. Et je me demande s'il y a une concertation entre les deux matières. Mais mon autre question, c'est sur l'autonomie des étudiants, oui, pas des établissements, des élèves. Qu'est-ce que vous pensez faire? Pédagogie de projet, webographie, aller chercher des choses sur le web sans que le prof dicte le cours. Enfin, qu'est-ce que vous envisagez? Je suis en train de chercher quelque chose. Il y a des... Je réponds, là? Je peux répondre? Oui, ce serait bien. Il y a des parties du programme disciplinaire de physique-chimie où les élèves doivent rechercher des informations. Oui. Un peu comme on n'a pas parlé des TPE, travaux personnels encadrés, mais là où ils sont en petit groupe et où ils doivent monter un dossier, un projet... Mais c'est plus de la recherche d'informations que de créer un projet en soi, quoi. Et en ce qui concerne les mathématiques et ce que vous évoquiez, à savoir est-ce qu'il y a réellement eu concertation entre les diverses disciplines, il se trouve que j'ai fait partie du groupe d'experts qui a élaboré les programmes de mathématiques sur le lycée. Et donc, à ce titre, je peux témoigner qu'il y a eu des échanges entre les inspections générales des différentes disciplines scientifiques et que dans le cadre de ce travail, nous avons effectivement rencontré donc les autres inspections générales ainsi que des universitaires et des représentants de ce qu'on appelle les sociétés savantes. J'ai évoqué tout à l'heure les barissantes, la question... Sur ce point-là, par exemple, actuellement, ils étaient enseignés en mathématiques et pas du tout utilisés en physique, dans le cadre du lycée. Hein. Donc il y a des arbitrages qui ont été faits, mais on ne peut pas laisser penser qu'il n'y a pas eu de concertation et que les gens ne se sont pas rencontrés. Donc, ouais. Quelque chose d'autre à rajouter? Autrement, je passe la parole à Françoise. Oui, toujours pour parler d'autonomie, les élèves sont censés avoir déjà eu une formation donc à l'autonomie pendant leurs années de collège et de seconde. Oui. Est-ce que vous voyez déjà une différence parmi les élèves? Est-ce qu'ils ont actuellement une meilleure autonomie qu'il y a quelques années? Ça dépend. Enfin,
Personnellement, je ne vois pas vraiment la différence. Enfin, ça, c'est les textes. Enfin, je veux dire, les textes. Mais après, ça dépend des classes qu'on a. Il y a des classes qui vont être plus autonomes, enfin, des élèves qui vont être plus autonomes que d'autres. Sur l'échantillon, enfin, sur ceux que j'ai, pas vraiment. Je sens pas vraiment une différence énorme, quoi. Alors, enfin, c'est vrai qu'en TP, enfin, je vois en travaux pratiques pour nous, les élèves doivent souvent monter leur propre protocole. Et là, quand même, je dois dire que là, quand même, ils y arrivent quand même pas trop mal. Mais c'est plus long que de faire un TP où ils ont le protocole déjà proposé. Donc c'est différent, quoi. Mais il faut savoir que dans les... Enfin, je parle pour la physique-chimie, dans les travaux pratiques, donc on en fait à peu près une trentaine dans une année, hein, il y a 30 semaines, 36 semaines, il y en a 10 sur lesquels on va axer sur la méthode expérimentale. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas tellement de contenu, mais les élèves devront trouver eux-mêmes leur méthode. Alors peut-être que là, effectivement, ils sont quand même autonomes. Là. Voilà. Et ils y arrivent quand même. Hein. Enfin, je veux dire, je vois bien comment ils sont. Ils y arrivent. Dans ce domaine-là où ils sont autonomes. Donc méthode scientifique, méthode d'investigation, comme on dit. Ils y arrivent. Monique Cranvestien, moi j'avais une question sur les spécialités en terminale. Les changements de programme, bon, il y en a une part alors, sur la partie de base, je dirais, probablement ou pas, à vous de nous dire, sur les spécialités. Et puis il y a une petite nouvelle qui débarque dans le paysage qui s'appelle ISN. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact? Est-ce que les élèves vont aller dans une spécialité nouvelle plutôt que dans d'autres? Bon, voilà. Oui, donc effectivement, l'enseignement de spécialité est maintenu avec l'arrivée d'une nouvelle spécialité en terminale. Donc là, sur cette spécialité informatique, sciences du numérique, on a assez peu d'éléments pour pouvoir répondre actuellement. Ce que l'on sait, c'est que potentiellement, cette spécialité sera enseignée par des professeurs de mathématiques ou de physique ou de sciences de l'ingénieur qui sont déjà en cours de formation cette année. Il y a des formations qui ont été mises en place. Alors, quel sera l'attrait pour des élèves pour cette spécialité? Est-ce que ça va se faire au détriment de spécialités existantes en physique ou en mathématiques? Ça, on ne sait pas trop. Alors, en ce qui concerne la spécialité mathématique, du coup, j'ai dit tout à l'heure que les similitudes avaient été enlevées de la spécialité de mathématiques. L'arithmétique est maintenue, mais on a mis à la place des similitudes, c'est tout ce qui est lié à un enseignement autour des matrices. Je crois que c'est vrai pour nos trois disciplines. L'enseignement de spécialité présente un programme qui est formulé en termes de recherche de problèmes. C'est-à-dire que l'esprit, enfin là, vous en parlerez mieux dans vos disciplines respectives, mais c'est aussi le cas en mathématiques. L'idée, c'est de présenter des problèmes qui sont intéressants et ensuite de donner des apports en contenu lorsque ça s'avère utile pour la résolution de problèmes. Donc ça doit être formulé, l'enseignement de la spécialité doit être formulé comme ça. Donc avec les matrices, en mathématiques, en tout cas, l'arrivée des matrices sur la spécialité en terminale S. Oui, bonjour Pierre Jarreau. Il y a une chose, comment ça va être évalué ça par exemple? Parce que est-ce qu'il y aura quelque chose de type projet, des devoirs habituels? Les étudiants qui vont nous arriver, ils sauront d'abord ce qui est évalué, hein, pas l'esprit du programme. Je pense qu'en termes d'évaluation, et d'ailleurs ça cadrera même à mon avis le niveau auquel les professeurs de lycée vont placer leur enseignement, c'est clairement l'évaluation au baccalauréat. Et là, sur la spécialité au baccalauréat, dans l'immédiat, les maquettes qui sont prévues sont des maquettes d'évaluation comme elles ont lieu en ce moment, c'est-à-dire un exercice de spécialité sur 5 points. Alors comment, dans le cadre de cet exercice de spécialité, on va pouvoir évaluer la résolution de problèmes et l'autonomie des étudiants, enfin des élèves pour nous, des étudiants pour vous, ça c'est une vraie question, effectivement. Moi, je pense que c'est possible. On peut, enfin, pour la spécialité, nous, c'est essentiellement des mots-clés. Mais je veux dire, on peut très bien les évaluer sur une proposition de protocole et voir quels sont le protocole qu'ils vont nous présenter et évaluer ce qu'ils nous proposent. Quoi. Je pense que ça va être fait. Enfin, l'évaluation des capacités expérimentales reste au baccalauréat et... Enfin, je ne suis pas dans les commissions pour les programmes, mais je suis convaincu qu'il y aura
des évaluations expérimentales dans lesquelles les élèves devront faire leur propre protocole. Enfin, vu comme on le pratique actuellement, c'est quand même quelque chose sur lequel qui est assez nouveau dans notre enseignement et sur lequel on a quand même pas mal été centré. À mon avis, on risque d'avoir quand même une évaluation là-dessus. Et nous, on fait comme si on allait la voir, quoi. On forme les élèves pour ça. Donc ils doivent être capables de faire un protocole. Oui, alors que l'épreuve pratique de mathématiques, qui a même été expérimentée pendant un an ou deux, n'est toujours pas sur les rails. Un autre grand regret à tous. J'avais juste une petite réaction. Est-ce que faire les protocoles, vraiment, on arrive dans une vraie possibilité de faire un protocole ou c'est simplement un petit peu un exercice de style parce qu'en terminale, ils ont quand même une formation scientifique, des bases scientifiques qui ne sont pas très étendues. En fait, c'était juste pour réagir sur ce que tu viens de dire, mais ma question était plus large que ça. Je me demandais si vous aviez le sentiment, au-delà de ce que vous avez dit sur l'autonomie, que vous étiez en mesure de transmettre à ces étudiants de terminale ou à ces élèves de terminale encore des compétences différentes de celles qu'ils avaient avant. C'est-à-dire qu'au-delà de la connaissance du contenu des programmes, est-ce qu'à l'université, nous allons voir arriver des gens dont le profil de compétences va changer à cause du changement de programme ? Oui, bonne question. Mon sentiment, ça sera que ça dépendra quand même dans une large mesure de ce qu'en feront les enseignants. Il y a quand même une latitude là-dessus qui est offerte aux profs de choisir un petit peu la façon dont il va mener ses enseignements. Effectivement, il y a des indications, etc. Mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas codifié. À partir du moment où ce n'est pas codifié de façon très précise, je pense que là, on aura quand même une hétérogénéité surtout dans cette approche dont on parle, d'autonomie, jusqu'où on va aller dans la démarche de mettre les élèves en situation de gérer eux-mêmes un protocole, de le créer, de le réaliser, de les laisser faire des erreurs, jusqu'où prendre le temps de le faire aussi. Ça, je pense, ça, c'est un avis personnel, ça va dépendre des profs. Et donc là, il risque d'y avoir une hétérogénéité dans les compétences des étudiants qui vont arriver en première année. Enfin, je sais pas ce que... Oui, bien sûr. Enfin, il faut dire quand même que la démarche, enfin, ce qu'on appelle la démarche d'investigation pour nous, c'est quand même un des axes du programme. C'est-à-dire que les élèves doivent émettre une hypothèse, préparer un protocole pour la vérifier, vérifier l'hypothèse. Puis si elle est bonne, c'est quelque chose d'inductif. Il y a quand même quelque chose dans le programme. Après, moi, je pense que l'enseignant doit l'appliquer quand même, plus ou moins. Enfin, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de le faire avant, plus ou moins. Ouais. Mais il y a quand même des... Il y a quand même une nécessité, je veux dire, le programme existe, on suit quand même le programme, quoi. Je veux dire, après, on ne peut pas en partir. Même si c'est quelque chose de nouveau, il faut qu'on s'adapte, c'est sûr que ce n'est pas évident, quoi. Moi, chez nous aussi, en mathématiques, il est aussi recommandé, bien entendu, de développer l'autonomie de nos élèves dans la recherche d'un problème donné. Et on a vu arriver déjà depuis quelques années à l'examen des questions que l'on appelle ouvertes. C'est-à-dire pour lesquels, en fait, il y a plusieurs démarches possibles de résolution et on laisse l'élève construire lui-même sa solution. Et lorsqu'on met ça en œuvre dans les classes assez régulièrement, on a parfois de bonnes surprises, effectivement. J'ai même vu des élèves mettre en œuvre eux-mêmes un algorithme alors qu'il n'était pas spécifiquement demandé, mais ils répondaient à la question. Donc on aura une hétérogénéité, ça j'en suis convaincue, parce que ces élèves-là, évidemment, c'est pas les... ça ne va pas être la majorité dans une classe. Donc ce n'est pas forcément ceux qu'on va retrouver en L1 dans certaines universités, hein, c'est sûr. Non. On va passer à la dernière question. Moi, je voudrais revenir sur l'interview de monsieur qui n'est pas là, Dominique Rogin, mais pour du coup avoir votre avis. C'était très louable. Il présentait ça en disant « Ah ben avant, il ne retenait pas les idées essentielles et on faisait tout superficiellement. Et maintenant, l'idée, c'est comment ils ressortent du lycée en ayant retenu les idées générale et importante. Et puis quand j'entends monsieur Jean-Jacques qui dit bah oui, avant on passait un mois sur l'énergie nucléaire, maintenant c'est une semaine, quand je regarde le programme de physique, que je vois qu'avec grande joie il faut absolument toute la physique depuis la préhistoire jusqu'à 1930, à savoir la mécanique quantique et la relativité générale,
je me demande un petit peu quand même s'ils auront le temps, c'est super, hein, mais auront-ils vraiment le temps d'acquérir en profondeur et de retenir les idées générales de la mécanique quantique, de la relativité générale et du reste, évidemment, aussi, parce que bon... Ça exerce leur mémoire, comme ça, ils ont plein de... Ah oui, mais je trouve que le but, c'était plus que ce soit de la mémoire, bon, mais oui. Que justement, ils... Bon, je parle de la fille, parce que c'est ce que je connais, mais dans les autres matières, est-ce que vous pensez que cette bonne idée du départ, est-ce que vous pensez que dans les faits, ce programme permet de la mettre ou pas en... Moi, quand je vois le programme terminal de physique, j'ai des doutes hein, sur cette bonne idée de départ, mais peut-être les autres matières, ça va mieux, je ne sais pas. Ce que nos intervenants veulent essayer de répondre, je vais le dire comme ça. C'est un programme qui est très dense. On ne l'abordera sûrement pas pareil que, que le programme actuel. C'est-à-dire que le programme actuel, on allait déjà quand même un peu au fond des choses. Quoi. On avait des chapitres qui prenaient plus de temps. Là, on va aller très vite. Quoi. Ça, c'est clair. Hein. Je ne sais pas. C'est une autre façon de voir ce qu'il a dit. Je ne sais rien. Mais bon, moi, je vais appliquer le programme. Hein. Je veux dire, on me dit de le faire. Je vais le faire. Et si je le fais en détail, ça ira pas. Quoi. Hein. Enfin, je veux dire... Au bout de 6 mois, je n'aurais pas fait le tiers, même pas. Donc oui, on va aller à fond. Vous comprenez pourquoi sur les 20 minutes d'interview de M. Roja, j'ai choisi cette partie-là. Il dit plein de choses, je vous invite vraiment à la regarder. Vous me proposez la transition pour donner la parole à Nathalie Lebrun, donc, de l'Université de Lille 1, qui va vous expliquer la démarche qui a été menée à Lille 1 sur un projet qui est en cours de réalisation. Et qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire la réforme des programmes et comment accueillir nos étudiants en première année. Alors tout d'abord, j'aimerais réagir aux propos d'avant, si vous le permettez. Alors concernant les sociétés savantes, je suis contente de savoir qu'on a travaillé ensemble, parce que concernant la physique-chimie, je suis dans la commission enseignement de la Société française de physique. Alors effectivement, on a eu une réunion avec Monsieur Billy qui nous a présenté les programmes, mais à aucun moment on a participé à quoi que ce soit pour donner des retours par rapport à ce qui a été mis en place dans les programmes du secondaire. Donc je suis très surprise. Alors peut-être qu'il y a eu des choses, mais en tout cas, à ma connaissance... Je parlais du groupe d'experts de mathématiques. Oui. Hein. Alors je ne connais pas les autres sociétés savantes, mais en tout cas, en concernant la physique-chimie, à ma connaissance, il n'y a rien eu. Consulter, ça ne veut pas forcément dire ensuite associer au travail d'élaboration. Mais on n'a pas du tout été consulté. Je veux dire, dans ce sens-là. Alors concernant ensuite la démarche d'investigation... Bon, effectivement, c'est très intéressant hein, de mettre en place cette démarche-là, déjà dans l'enseignement secondaire. Bon, personnellement, maintenant, je travaille en didactique et on regarde justement l'efficacité de cette démarche. Il y a eu une étude de l'Institut français de l'éducation. Donc, il y a eu une enquête sur la démarche d'investigation, comment c'était utilisé donc, dans l'enseignement secondaire. Ça a été... présenté d'ailleurs à l'Assemblée générale de l'Union des professeurs de physique et de chimie en octobre. Et on s'aperçoit que derrière, on met de tout et qu'il y a vraiment une difficulté pour les enseignants actuellement. Bon, chacun fait son interprétation actuellement. Et donc je crains qu'on ait une forte hétérogénéité à ce niveau-là, au niveau des élèves qui vont nous arriver à l'université. Alors, bon, quand j'entends, et puis bon, j'avais regardé un petit peu les programmes de seconde, première et terminale. De toute façon, comme d'habitude, l'université va devoir s'adapter. C'est pas la première fois, hein, de toute façon. Donc, on le fera pour mener à bien les étudiants vers des compétences pour s'intégrer après sur le marché du travail. Pour avoir l'esprit critique, être autonome et avoir des connaissances solides pour pouvoir résoudre des problèmes au niveau industriel. Donc, mon sentiment pour le moment, mais là, c'est en tant qu'enseignante, point final, pas du tout représentante de l'ILA, c'est que de toute façon, il va falloir reprendre les bases. Ça, c'est clair, à fond. Et puis, ben, on peut espérer qu'avec les bases que nous, on va devoir donc refaire, comme ils auront acquis de l'autonomie, comme ils auront acquis une démarche d'investigation, ben, après, ça devrait rouler pour pouvoir résoudre des problèmes complexes en sciences.
Alors maintenant, je vais venir sur le dispositif de l'ILA. Alors, il y a deux parties. La première partie, c'est que suite à ces nouveaux programmes, l'Académie de Lille, donc au niveau rectorat, a mis en place un groupe de travail où les universités interviennent. Et il va y avoir donc une journée qui va être organisée, alors je n'ai pas la date, normalement c'est au mois de février-mars, dans ces eaux-là, justement sur les nouveaux programmes, où il va y avoir de rencontres, donc enseignement du secondaire et université, pour discuter donc de l'impact des nouveaux programmes de lycée au niveau de l'université. Et nous, ça tombe à pic, puisque nous commençons à réfléchir sur les nouvelles maquettes pour déposer auprès du ministère. Le deuxième volet, donc ça fait depuis un certain nombre d'années qu'à l'ILA, on met en place des tests de positionnement. Alors, ce que je connais beaucoup, bon, c'est en physique et également en chimie. Et notamment en physique, on s'est beaucoup attaché aux outils, à l'utilisation des outils mathématiques en physique. Et donc ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, une dizaine d'années qu'on utilise donc des questionnaires sous forme papier pour justement faire un état des lieux de l'utilisation des outils mathématiques appliqués pour la physique. Et puis mon collègue en chimie fait la même démarche, donc lui il est plus axé sur la chimie, sur le contenu chimie plutôt que sur l'utilisation des outils mathématiques. Alors suite à ça et suite au programme, donc à l'évolution drastique des programmes de lycée, on a mis en place donc un projet qui est financé par Uniciel et puis également par Contenu numérique en ligne, qui est en fait un appel à projet interne à l'ILA et qui soutient également au niveau humain et financier pour la mise en place donc de projets pédagogiques et la mise en place de ressources numériques. Et donc, dans ce cadre de ces deux appels à projets, nous avons commencé à créer des questions QCM à choix multiples en relation avec les programmes du secondaire. Donc, nous avons travaillé sur seconde, première, terminale. Et nous avons plus particulièrement travaillé sur, en relation avec les unités d'enseignement mis en place en première année chez nous, c'est-à-dire l'optique géométrique et la mécanique. Et ce travail se fait en commun entre Lille 1 et l'université de Paris 6. Paris 6 donc, s'occupe plutôt de la mécanique et nous, à Lille 1, on s'occupe plutôt de l'optique géométrique. Et donc, on a mis en place 75 questions par thème qui sont actuellement en cours de numérisation au niveau du service d'enseignement sur mesure médiatisé, donc le SEM basé à Lille 1. Alors comment on a procédé ? Ben, d'abord, on a été dépouillé les programmes du secondaire. On a mis en place un référentiel à partir de ces programmes-là. Et puis on est allé voir dans les livres du secondaire comment étaient présentées les notions. Et là, on s'est aperçu, c'est là qu'on a été un peu catastrophé. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de qualitatif et beaucoup moins de quantitatif. Et donc nous avons essayé de travailler à partir de là pour mettre en place les questions. Ensuite, nous avons un projet qui est interne à l'ILA, qui s'appelle le projet Demain l'université, mais qui est aussi oui, en relation avec les autres universités, l'île 2 et l'île 3, me semble-t-il. Et à partir de là, on travaille avec des enseignants du secondaire. Donc on a rebondi sur ce projet pour demander aux enseignants de secondaire de regarder les questions que nous avions créées, notamment en termes de vocabulaire et en termes de compétences éligibles ou pas éligibles. Parce que c'est beau d'avoir un programme officiel, mais on s'aperçoit qu'il n'est pas totalement suivi. Hein, et pour des raisons multiples. On vient d'en parler. On vient d'en parler. Je te vais demander de... On s'aperçoit qu'il y a des compétences qui sont dans le programme qui ne sont pas éligibles, en fait. Alors moi, pour conclure, ce que je propose au niveau d'Uniciel, c'est au niveau des appels d'approchés qui vont être plus axés sur les QCM, c'est vraiment de travailler avec les enseignants du secondaire pour avoir des questions qui sont adaptées au vocabulaire et puis adaptées aux compétences exigibles du programme du secondaire. Merci. Voilà.
Merci Nathalie d'avoir fait, d'avoir raccourci un petit peu. Juste donc, pour conclure, donc, Nathalie a présenté le projet. Donc, je vous avais mis dit en introduction que c'était en effet le projet banque de thèse de positionnement donc, dont Nathalie vient de parler. Je voudrais remercier nos intervenants parce qu'ils ont eu la dure tâche de vous présenter un programme sur lequel vous alliez réagir. Donc, ce n'est pas évident de défendre ce genre de situation, de se défendre dans ce genre de situation ou de se trouver acculé, on va dire, dans ce genre de situation. Malgré tout, on a aussi travaillé ensemble sur les référentiels, donc vous voyez derrière, qui sont en fait, on a repris les programmes. Et à partir de ces programmes, donc on voulait, ils ne sont pas visibles, hein, ce sont des cartes mentales, mais on a repris l'ensemble des programmes de sciences pour le lycée dans le cadre de la réforme. Et à partir de ça, on a essayé d'extraire donc un référentiel pour la terminale S, référentiel qui va nous servir pour la banque de thèse de positionnement. Et on leur a demandé de valider ces référentiels-là. Donc c'est aussi pour cette action-là que je souhaiterais... les remercier parce que devoir valider la vision d'enseignant du supérieur sur des programmes du secondaire n'était peut-être pas obligatoirement très facile. Donc merci beaucoup et j'espère qu'on va pouvoir continuer, comme le disait Nathalie, à travailler ensemble dans ce projet. Mm-hmm.